Alors, Wistiti, t'es venu écouter le grand Spike et ses exploits? Je te préviens, je ne suis pas très bavard. Pour tout te dire, j'aime pas trop les gens. D'ailleurs, c'était pas mon idée de venir dans cette académie. Je viens d'Angleterre. Mes parents sont de riches diplomates irlandais qui travaillent à Londres. Ce sont eux et leur éducation qui m'ont amené dans ce trou à rats. Dis-m'en plus. Une autre fois, Wistiti. Pour l'heure, j'aimerais bien que tu me laisses tranquille. Je suis sûr que dans cette pièce, tu trouveras plein de moulins à... D'accord, d'accord, si tu insistes. J'ai passé toute mon enfance avec ma tante Abigail. Mes parents n'avaient pas de temps à m'accorder, ils me cédaient tous mes caprices, sans doute pour s'excuser de ne pas être là. Abigail, elle, elle avait le temps. Elle vivait dans une petite maison près des falaises et adorait faire des balades en forêt. Elle voulait m'emmener avec elle, mais pour tout avouer, le grand air, c'est pas mon truc. Moi, je pensais qu'avoir mes parents et je passais mon temps seul dans ma chambre à écrire. J'écrivais des poèmes, des chansons. Rien de très beau ni d'intelligent, mais ça faisait passer le temps. Et c'est vers l'âge de 16 ans que ma vie a complètement changé. Dans quel sens? Ça, Wistiti, tu le sauras en revenant me voir. Thank you.
Mon cheval ? Je ne sais pas. J'ai trouvé le box comme ça en arrivant. Mauvais point pour toi. Oh là là, on se calme, Ouistiti. On n'est pas sur un ring ici. Pousse-toi ! C'est elle qui a fait tout ça ! C'est tout ce que tu as trouvé pour t'en sortir. Accuser quelqu'un d'autre. Kiyu ! T'as pas fait ça ? Vous me faites pitié. Ah, vous êtes là. Le directeur arrive. Il va effectuer une inspection des box. Qu'est-ce que nous allons faire ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es dans le sale drap, Ouistiti. Spike ! Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Il arrive. On est fichu. Regardez là-bas. Wow ! Ouais ! Ouais ! J'espère que les élèves auront su prendre soin de leur box. Jeunes gens, c'est l'heure de l'inspection.
Comme je te disais, ma vie a pris un tournant décisif quand ma chère tante Abigail est morte. Elle était âgée, et c'est la nature qui veut ça. Mais même si j'étais assez replié sur moi-même, sa disparition m'a fait beaucoup de peine. Mes parents ont alors décidé de m'envoyer en pension. Moi, j'aurais voulu les rejoindre, mais ils n'avaient toujours pas assez de temps à me consacrer. C'est comme ça que je suis arrivé en internat. Et j'aime autant te dire que ça n'a pas été facile. J'avais toujours vécu dans les livres, et là-bas, c'était la loi du plus fort. Deux terreurs me menaient la vie dure, à moi et aux autres élèves. On les appelait le marteau et l'enclume. Quand ils te coinçaient dans un couloir, c'était pour te faire passer un sale quart d'heure. Et les sales quarts d'heure, je peux te dire que j'en ai passé un paquet. Chaque semaine, dans les lettres que j'envoyais, je demandais à mes parents de me sortir de là. La seule chose qu'ils ont trouvé bon de faire a été de m'envoyer une guitare. Parce que dans leur cercle d'amis, il était de bon ton d'éduquer ses enfants à la musique. Mais je prenais mes cours de musique très au sérieux. Tout d'abord parce qu'ils me permettaient d'éviter quelques heures le marteau et l'enclume, et puis... L'autre raison qui me faisait prendre les cours de musique très au sérieux était mon professeur. Enfin, plutôt la fille de mon professeur qui assistait à ses cours. Elle s'appelait Célène. C'était un ange qui avait les cheveux noirs comme la nuit et la peau pâle comme la lune. Tu veux dire que c'était une gothique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu sais, juger les gens sur leur apparence est une chose qu'on apprend bien trop facilement. C'est tellement simple de rejeter tout ce qui est différent. Je ne voulais pas dire ça, je suis désolée. Continue, je t'en prie. Non, désolée. Il va falloir attendre que je me calme. C'est bon, je suis calmé maintenant. Mais ne recommence pas à critiquer. Célène et moi, nous apprenions la guitare. Et c'était une étonnante chanteuse. Nous nous plaisions. Et l'idée de monter un groupe nous est alors venue. Mais il nous manquait du monde. J'ai donc proposé à Célène de quitter Brighton pour Londres où mes parents habitaient. De toute façon, mes parents se sentaient trop coupables de m'avoir abandonné dans un pensionnat pour me refuser ça. Mais sur place, nous avons eu du mal à trouver des gens. Il semble que tous ces groupes amateurs qui se montaient dans les années 80 n'intéressent plus personne aujourd'hui. Et c'est sur High Street Kensington que nous avons pu trouver un groupe de rock qui cherchait des guitaristes. Bien sûr, nous ne faisions pas vraiment la musique dont nous rêvions, mais Célène et moi étions ensemble, et c'est tout ce qui comptait. Je me suis rendu compte que j'étais le seul dans ce cas. Que veux-tu dire par là ? Prends ton ticket et viens me voir, Wistiti. Je suis sur le point de te révéler quelque chose d'important sur mon passé. Alors j'ai encore besoin de temps. Alors, la suite de cette histoire ? J'y viens. Célène et moi étions heureux dans notre nouveau groupe, mais le batteur s'intéressait d'un peu trop près à elle. Et Célène n'est pas restée insensible. Elle m'a quitté pour ce batteur, et cela a fini par créer des tensions dans le groupe. Je suis pas fier de ce que j'ai fait.